Vous dites, détournez-vous des médias traditionnels, allez vous renseigner sur Internet. Vous n'avez pas conscience que ça peut être dangereux, un discours comme ça? Pourquoi? Sur Internet, on trouve des thèses complotistes, on trouve toutes sortes de choses. C'est pas des informations forcément vérifiées. Vous trouvez pas que dans les médias traditionnels, on trouve des thèses complotistes? Moi, j'ai lu des tas de trucs sur la Russie qui interviendra dans la campagne et autre chose comme ça. Il y a, je veux dire, au moins autant de choses qui sont totalement fausses dans les médias traditionnels que sur Internet. Mais demain, on peut écrire toutes sortes de choses sur vous, par exemple, sur Internet, et vous inciter les gens à aller s'informer sur Internet. Des choses qui ne seraient pas vérifiées. Ce ne sera jamais pire que ce qui est dit sur vos antennes ou ce qui est écrit dans les journaux traditionnels, hein, vous savez. Cette petite musique anti-média, c'est votre petit côté Trump, ça a marché aux États-Unis, donc vous l'appliquez ici en France? Non, mais chère madame, les Français n'ont plus aucune confiance dans les médias. Vous en êtes conscient ou pas?